aujourd'hui nous sommes à bord de cette Porsche Cayenne S. Donc en fait on va intervenir pour la partie autoradio. Alors comme vous pouvez voir, il y a déjà eu un remplacement d'autoradio dans le passé sur lequel ils ont mis un autoradio universel sur lequel il n'y a pas de commande au volant, il n'y a rien en fait qui fonctionne. Et du coup la qualité elle est super médiocre. Et puis surtout regardez ce qu'a fait en fait l'ancien installateur, donc un professionnel, hein, qui a tout simplement fait de la découpe à l'arrache. Je sais pas si vous arrivez à voir au niveau qualité. Vous voyez, pour essayer d'intégrer au mieux l'autoradio. Voyez. Donc là, ça fait. D'ailleurs, il y a de la saleté qui s'incruste dedans, etc. Avec le temps. Donc autant en haut, c'est mieux parce qu'en fait, il a profité de la finition d'origine entre guillemets. Même si l'autoradio ici, il est légèrement bombé. Hein, parce qu'on voit ici que là, niveau finition, hein, c'est pas terrible. Là-bas aussi. Voilà. Donc ça, on va dire. Et puis ici, hein, vous voyez, là, carrément, l'autoradio, il est sorti. Hein, j'ai ma main qui tape. Là, ici, c'est l'inverse. C'est rentré. Donc du coup, j'ai ma main qui... Mais pas là. Là, ça cogne direct. Voilà. Donc, vous voyez, je le bouge. Enfin, c'est... Enfin, bref. Voilà, il y a des professionnels qui font ce genre d'installation. Chez nous, non. Non, ça, on refuse, on ne fait pas. Ou alors le client nous signe des charges comme quoi il veut bien comme ça. Parce que le problème, c'est que derrière lui, il est capable de faire une vidéo et dire oui, ça a été mal fait, etc. etc. Donc, nous, par rapport à ça, ce genre de prestation comme ça, on ne fait pas. Alors, je ne sais pas si ça allume. On va essayer de l'allumer. Voilà. Donc c'est déjà un vieux système Android. Mais le problème, c'est qu'il me dit que la qualité, elle est pas terrible. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent super mal. Et du coup, il est pas mal déçu de son appareil. Nous, ça va être un autoradio qui va être vraiment prévu pour la voiture. Et du coup, c'est un peu long, certes. Comme ça, juste pour donner une idée, hein. Il y en a plein qui disent que des voitures à 300 000 km, ça sert à rien d'investir, etc. C'est un véhicule qui fonctionne très bien, donc le client, il en est super satisfait. Il entretient bien. D'ailleurs il a même rajouté des équipements supplémentaires, etc. Et donc par rapport à ça, il n'a pas hésité à investir sur l'autoradio. Voilà, donc le voici. Et donc il m'a dit que la radio c'était complètement nul. Bon, il s'arrête, mais non, il capte pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va le remplacer, mais c'était pour montrer un petit peu ce qu'il y avait. Donc ici, c'est la seule station qui capte, hein, c'est musique, hein, et classique. Bon, c'est pas grave, mais sinon ici. Ouais, bon, voilà. Ah oui, c'est les bugs qui nous avaient parlé. Donc, il y a beaucoup de messages, a priori, qui s'allument. Sinon, voilà, il a mis des applications pour garder la vidéo en roulant, etc. Donc, allez, on va se mettre en place. On va faire tout ça. Donc, sur cette Porsche Cayenne S, voilà. Donc, on va faire comme d'habitude, étape par étape. Donc, en fait, voici ce qu'on va poser à la place. Donc il va être complètement sur l'origine de la voiture, l'emplacement d'origine de la voiture ici. Donc ça veut dire que tout ça là, ça va être rempli. Parce que l'autoradio il va aller de bord à bord. Donc sur la partie ici en aluminium. Donc voilà. On va défaire tout ça petit à petit, étape par étape. Là ici on a le faisceau, donc adaptateur.
pour éviter justement de remplacer ou de modifier le faisceau d'origine de la voiture. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on va aller mettre tout ça en place. Allez, c'est parti. Alors, l'autoradio qui est ici, c'est ce qui va aller en place. Pour enlever celui-ci, donc, il faut enlever l'enjoliveur qui est ici présent. Vous voyez, qui fait le tour pour avoir accès aux vis. Donc, j'ai déjà retiré, hein, elles sont là. Retirer les vis afin de pouvoir retirer tout le bloc. Vous voyez, là, le bloc vient et on va pouvoir débrancher donc l'autoradio. Et puis mettre le nouveau. On va passer aussi les câbles pour le micro et la caméra de recul, hein, et à partir de là on va voir ce que ça donne. Donc toujours étape par étape. Alors bien sûr en vidéo on pense que ça va super vite, mais au final ça met du temps quand même à passer les câblages, etc. Donc on suit la procédure. Alors on a retiré l'autoradio. Bon, par contre il y a un gros sac de nœuds au niveau câblage. Je sais pas ce que a fait l'ancien propriétaire, enfin l'installateur. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des fils qui sont coupés, alors que en général, il est toujours recommandé de les isoler. Ouais, on a des fils qui sont coupés. Donc ça, normalement, c'est caméra de recul. Il doit y avoir un amplificateur. Ici, donc le faisceau, et on voit que les fils ont été coupés pour rajouter ce morceau de faisceau. Donc il va falloir que je regarde précisément à quoi ça correspond, parce que on sent que ça, le faisceau d'origine de la voiture, il est ici, et que les fils coupés, regardez, il y a un fil coupé là sur le faisceau d'origine, et du coup, il va falloir que on le retrouve. Donc ça n'a pas l'air d'être celui-ci, parce que c'est pas la même section. On va espérer qu'on va pas trop galérer là-dessus, parce que je vous cache pas que on n'aime pas du tout ça. Alors, c'est tout un bordel, mais bon, on va tenter de faire quelque chose là-dedans, hein. On va espérer qu'il n'y ait pas de grosses modifications. Parce que si c'est le cas, ça va poser problème. Bon, on va aller donc voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. C'est parti. Alors, on ne sait pas comment l'ancien installateur a fait son travail. Parce que regardez, il a mis un adaptateur plus un deuxième adaptateur. On sait même pas. Enfin bref, avec ici un boîtier supplémentaire, soi-disant pour les commandes au volant qui n'ont jamais fonctionné. Et moi, regardez, j'ai juste branché depuis l'origine. D'ici, on a le câblage d'origine de la voiture qui arrive. Mon adaptateur qui vient directement sur l'autoradio, vous voyez, on n'a rien changé, rien rajouté. J'ai juste enlevé ce gros paquet de câbles, vous voyez. En fait, lui, il allait d'un l'autoradio à un adaptateur, et après de l'adaptateur, encore pour le câblage d'origine à la voiture. Nous, on a simplifié ça, vous voyez, on vire tout ça. Donc, d'ailleurs, je viens juste de l'installer, regardez. Or, le son fonctionne déjà. Et en plus, donc les commandes au volant, bien sûr, et en plus, il y a encore plein de câbles qu'il va falloir que je trie, que je vire, enfin bref. Honnêtement, il y en a qui se disent professionnels. Donc, certes, le montage, il n'a pas été peut-être cher. Et c'est pour ça que beaucoup de clients vont chez les personnes où c'est pas cher. Mais le problème, c'est que ils mettent des fils, ils rajoutent, ils coupent. Vous voyez, là, on a des fils coupés. Alors, qu'il y ait du scotch ici, là, c'est tout à fait normal. Il a isolé, donc ça, il a bien fait. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un tout un tas d'adaptateurs
là, il y a des faisceaux, il y a des câbles, il y a des prises. Enfin, qu'il a tout mis dans la boîte, vers la boîte à gants. Mais c'est un chantier. Je vais essayer de faire un coup de propre pour vous sortir tous les câblages qui ont été mis dedans. Mais en fait, pour rien. Parce que, encore, si tout fonctionnait parfaitement, on pourrait se dire, bon, bah, il a fait du travail, et puis voilà. Mais en l'occurrence, là, il n'y avait pas de. Comment dire il n'y avait pas de commande au volant qui fonctionnait sur l'ancien autoradio. Voilà, le GPS ne fonctionnait pas non plus au top. Enfin, voilà, donc c'était pas. Il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas correctement, qui ne fonctionnaient pas du tout. Là, aujourd'hui, nous, on est un simple faisceau, parce que c'est adapté à la voiture. On n'est pas là pour essayer d'enjoliver et puis de proposer un truc pour après mettre tout un tas de câblage derrière. Surtout que vous avez vu l'épaisseur de l'autoradio. Il va falloir le caser à l'intérieur. Donc, si vous mettez beaucoup de câblage, du coup, on aura du mal à installer aussi le matériel. Donc, c'est pour ça que chez nous, c'est épuré. Et puis, en même temps, c'est des... les risques de surchauffe, etc., ils sont éliminés parce que on va au plus simple. Et puis même en perte de qualité sonore, parce que là on va directement, il n'y a pas 36 000 connectiques et du coup il n'y a pas de perte de qualité. Voilà. Bon, maintenant on va essayer d'épurer tout ça et puis pas à pas toujours. Donc restez connectés. Bon, j'ai fait pas mal de petites choses là pour essayer d'épurer au maximum l'installation qui était dessus. Donc un petit boîtier phonocard, des fils qui sont même pas connectés ni isolés, comme vous pouvez voir. C'est waouh, c'est. Enfin moi je comprends pas. Il y avait un faisceau fibre optique. Il suffisait tout simplement de mettre un adaptateur et puis c'était reparti. Mais le gars, il s'est compliqué la vie d'une force. Regardez, j'ai démonté toute la console centrale là pour essayer de ressortir les deux USB qui sont là parce que du coup, ils sont pas opérationnels parce que en fait, ils correspondent plus avec le nouvel autoradio. Et du coup, impossible. Regardez, je tire sur le câble. Normalement, c'est censé venir tout seul. Rien à faire. Ici, il a fait un paquet de câbles, mais c'est hallucinant. Hein. Là, il a fait tout un paquet de câbles. Il a coupé des fils, il a, enfin bref. Il a fait un truc, ça a ni queue ni tête. Même moi, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, je vais laisser le boîtier parce que j'ai pas envie non plus de me prendre la tête avec ça. Surtout que de base, il n'y en avait pas besoin. Et la preuve, sur tous les fils de ce boîtier, il y a seulement 5 fils de branchés. Voilà. Alors que de base, il doit y en avoir 2, 4, 6. Il y en a 12. Sur les 12, il y en a que 5 qui sont branchés. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais remettre tout ça au propre. Je vais tout remonter. Et puis, le chantier est terminé. On a mis l'antenne GPS. On a tout mis en place. Et après, on va faire un essai pour savoir si l'autoradio s'allume bien, s'il capte bien la radio aussi, etc. Voilà, donc c'est à suivre. Bon, voilà, c'est un peu plus propre. Et je vous dis pas le chantier. Donc, pour récapitulatif. Tout ça de retirer, ça de retirer, et en bas le fameux câble, en fait il était même pas branché, il était à l'intérieur mais il n'était pas branché. Enfin bref, donc vous voyez ça de retirer, tout ça de retirer, voyez tout simplement le nombre de fils et d'épaisseur, hein, tout simplement, voyez les prises, etc., qui ont été tout simplement... qui prenait de la place et sur lequel nous on a tout viré. Voilà, donc tout ce qu'il y a là, on vire. Nous, c'est simple, faisceau d'origine de la voiture qui est ici, notre adaptateur, point. Voilà, après ici, comme il y avait un amplificateur qui était branché, donc on a remis les câblages ici, la caméra de recul qui est ici aussi, et voilà. Avec l'antenne GPS qu'on a passée ici, donc
qui est à l'intérieur, et puis notre USB, donc, parce que ceux de, qui étaient dessus, alors les deux qui sont déjà là-bas existants, impossible à retirer, je sais pas comment il a passé le câble. Moi, regardez, j'ai juste à tirer, vous voyez, ça bouge de l'autre côté. Moi, c'est hyper simple, voilà. D'ailleurs, quand on veut plus de câbles ou moins de câbles, voilà, on peut tirer directement sur... Enfin, je veux dire, c'est, on essaye de faire en sorte que ce soit le moins compliqué possible, le plus simple, et puis surtout, le client, il trouve pas de galère, quoi. Là-bas, les deux, c'est impossible à retirer. Donc, du coup, je les ai planqués, les prises qui arrivaient pour l'autoradio, je les ai planquées. Et puis, bah, là-bas, bah, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de faire un truc propre pour éviter que le client, il se plante de USB. Parce qu'il y en a deux, du coup, qui seront pas fonctionnels. Et nous, USB, ça fonctionne. On en a un. Parce que devant, en fait, on a des lecteurs cartes mémoire, chose qu'il n'y avait pas sur l'ancien autoradio. Voilà, voilà. Bon, bah, allez, on continue. Bon, on va faire un essai. La clé. Toujours un essai avant de tout plaquer. Les lumières s'allument, ça, c'est une bonne chose. L'autoradio s'allume, donc en même temps que le contact, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est une très bonne chose, pas de souci. Et ici... Voilà, donc on va essayer de voir s'il capte bien la radio. Et il capte bien la radio. Voilà, je coupe le son pour éviter les droits d'auteur, etc. Voilà comment ça se présente. On a le menu, on a ici, on peut avoir la date et la météo, hein, d'ailleurs. Les applications déjà par défaut. Hein, qui sont présentes dans l'autoradio, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, en rajouter, et là ce sont toutes les applications de l'autoradio. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez donc bien sûr Google, parce que et le Google Play, parce que c'est un autoradio Android avec CarPlay intégré, il fait le Wi-Fi, et vous avez vu, il y a déjà YouTube qui est déjà installé. Pour ce qui est des commandes au volant, bah c'est très simple. Regardez, je vais essayer de vous mettre l'autoradio qui soit visible en même temps que j'appuie sur la touche. Voilà, donc vous avez vu, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Chez nous, ça, c'est fonctionnel. Voilà, donc deux lecteurs carte mémoire, hein, sur lequel il n'y a plus besoin des USB là-bas. Donc j'en ai mis un quand même. Pour une clé USB, par exemple, s'il y avait des films, etc. Sachant que maintenant, il y a des cartes mémoire qui ont des grosses capacités. Donc, voilà. Mais bon, je le mets. Il n'y a pas de souci. Enfin, il est mis déjà. Donc, il n'y a plus qu'à. Et puis voilà. Donc, bien sûr, on peut mettre des widgets. Donc, comme un vrai téléphone portable. Hein, donc, désolé pour le reflet. J'essaye de faire quelque chose de très, très... enfin, de vous démontrer vite fait comment ça marche. Donc ici, la présentation. Là, vous avez des menus qui sont ici. Hein, voilà. Et puis après, il y a paramétrage. Donc d'ailleurs, on va le mettre en français. Je ne sais pas où est-ce que c'est déjà. Système. Et après, ici, on va mettre français. Parce que là, il est en anglais d'office. Et on va mettre... Donc, il y a toutes les langues, hein, quasi du monde. Et EF français. Voilà. Et on va dire que c'est pour la France. Et logiquement, vous avez donc ici... Ah oui. Non, pourquoi? Ah. Je veux celui-là. Voilà, je l'ai passé en premier. Donc la langue de préférence, ça reste français. Voilà, et maintenant tout le reste, vous voyez, est en français, il n'y a pas de souci. Tac, voilà, date et heure. Donc pour la date, je vais définir le faisceau horaire qui est la France. Et du coup, il est automatiquement à l'heure. Voilà, il se mettra automatiquement à l'heure sans aucun problème.
Donc après, on a bien sûr le GPS. D'ailleurs, c'est Aygo, dernière génération, avec les inforadars, etc. Et donc là, on est bien là. Il n'y a pas de souci. Et normalement, voilà, il est déjà en français. Donc ça, c'est pareil. C'est très bien. Pour revenir en arrière, la petite clé là-haut. Voulez-vous quitter? Oui. Voilà. Niveau radio, donc ça fonctionne. La musique, on va essayer de voir si on trouve une clé USB. Enfin, on va mettre quelque chose sur notre USB, qui est ici d'ailleurs, qui a un long câble. L'avantage, c'est que si jamais un passager aurait besoin de brancher quelque chose, il n'a pas besoin d'embêter le passager, ou s'il n'y a personne en passager et que c'est des enfants derrière, pourront avoir suffisamment de câbles pour brancher leur matériel directement dessus. Donc voilà. Allez, on va essayer de mettre une clé USB et faire un test. Donc on va tout replaquer par contre, on va tout remettre à sa place et puis on va tout remonter tranquillement et sagement. Bon bah voilà, on va tout replaquer. Donc on a tout regardé. La radio capte super bien. Voilà. Ça fonctionne super bien. Là, on a mis une USB, enfin une carte, enfin une clé USB, oui, sur le lecteur USB, donc de l'autoradio, mais en fait, il n'y a rien. Il a détecté, il n'y a pas de souci, c'est celui-là. USB 1, USB 2, mais c'est vide. Regardez, tac, voilà. Il n'y a rien dedans. Même pas de film ou quoi, parce que c'est pareil, on peut aller dans les vidéos, tac. USB 1, USB 2, on fait rechercher, il analyse et il n'y a rien dedans. Voilà, donc je pense que le client il avait laissé l'USB comme ça, voilà, en mettant après de la musique. Bon, ça c'est fait, il nous reste plus qu'à tout replaquer parce que niveau son, la qualité elle est vraiment très très bonne. Le produit fonctionne franchement très 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 bien. Et puis, on va tout plaquer, on va tout finir et on va rendre ça au client. Donc, on va le remettre à l'heure, la date et tout, parce que là, c'est pas tout à fait l'heure. On va tout régler et la date, si ça a l'air d'être ça, on va tout régler et puis comme ça sera clé en main au client. Donc, sur cette Porsche Cayenne. Première génération sur lequel, donc vous, comme vous pouvez voir, hein, le kilométrage pour beaucoup peut paraître élevé, mais comme le véhicule fonctionne super bien, bah du coup, pourquoi pas changer l'autoradio pour mettre quelque chose de vraiment bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il a 300 000 km que le moteur va lâcher demain. Hein. Si c'est bien entretenu, je dirais que c'est encore le rodage. Donc pour ceux qui se posent des questions, etc., lâchez pas le morceau. Même si du moment que votre voiture elle est saine, elle est propre, un investissement comme ça, même à plus de 700 euros, ça vaut le coup d'avoir quelque chose de qualitatif et surtout beaucoup plus d'options par rapport à l'autoradio d'origine. Bon là pour le coup c'était pas l'autoradio d'origine, mais c'était un truc universel. Hein, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais là on a un autoradio qui est vraiment d'origine. Et vous allez voir la vidéo en fait à la fin où ça va être parfaitement dans l'emplacement d'origine sans aucune modification. Et pour le coup la finition sera nettement meilleure de ce qu'il y avait initialement. Bon, voilà, on arrive quand même presque au bout du chantier. Donc là, je vais juste rajouter donc la baguette de finition. Donc, bon, je vais avoir besoin des deux mains. Mais si vous regardez au niveau finition, on est largement mieux que ce qu'il y avait. Et vous voyez, quand on est à l'arrière, on a l'impression que l'autoradio il est complètement d'origine, avec des lecteurs carte mémoire juste en façade, du coup la boîte à gants peut rester fermée, et avec des touches mécaniques directement avec les fonctions d'accès. Le GPS, vous voyez, tac, l'accueil. Éjecte CD, parce qu'il y a un lecteur CD et DVD,
Eh oui, ça devient rare, mais il y est. Et puis après, ici, c'est pour le réglage de la lumière, tout simplement. Vous voyez? Donc, il y a différents réglages. Du coup, ici, c'est pour quand il y a un CD, bah, musique supplémentaire, etc. Mais aussi avec les commandes au volant. Hein, ça, je tiens à préciser, les commandes au volant fonctionnent sur l'autoradio. Voilà, donc la radio va émettre. Et donc, on refait, vu que là, on a tout fini. Voilà. Et donc ici, la station, enfin une recherche, vous voyez, hein, c'est en train de bouger. Donc là, on doit être... Le retour d'un rendez-vous à la banque et qui s'extrait péniblement de son taxi. Voilà. Donc ça fonctionne. On va juste mettre l'enjeu Oliver. Et à savoir que le gars avant, il a quand même bien massacré, hein, pour essayer de l'enlever. Alors que normalement, ça s'enlève tout seul. Mais enfin bref. Parce que pour le coup, c'est du vrai alu, c'est pas du plastique. Voilà. Donc on va le mettre en place et puis fignoler tout ça et puis surtout finir les réglages pour que ça soit fonctionnel et qu'on puisse livrer donc le véhicule au client. Voilà, donc juste pour info, il y avait ça. Regardez, là je ne sais pas si vous arrivez à voir. La pâte, en fait, c'est tout simplement une espèce d'une pâte noire pour... parce que c'était collé en fait à l'autoradio tout simplement, donc on a un peu massacré en enlevant. Voilà, ici ça a été coupé, hein, ça se voit, hein, c'est pas du net. En haut, bon bah c'était beaucoup moins quand même. Et puis là, massacre. Attendez, j'essaie de faire une mise au point. Non, il n'y a pas, j'arrive pas à faire la mise au point en fait. Ah si, vous voyez, là. Non, j'arrive pas à faire la mise au point. Mais on voit les traces de que ça a été coupé. Enfin, c'était pas du tout adapté. Ah merde. Tac. Voilà. Donc, bah ça, vous voyez, ça vire. Voilà. Et puis là, ça épouse parfaitement. Je vais vous faire donc une fois tout terminé. Bon bah voilà, comme je vous avais dit, je vous montre l'autoradio bien mis à sa place. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est parfaitement mis en place. Donc là, c'est l'enjoliveur qui bah, un peu Dieu, hein, tout simplement. Du coup, voilà, mais sinon c'est parfait. Niveau ici, vous voyez, même l'arrondi, il est parfait. En bas, parfait. Et puis là, exactement, parfait. Voilà. Donc là, du coup, quelqu'un qui s'y connaît pas pense que l'autoradio, il est 100% d'origine. Là, on l'a fini de configurer, etc. Il me reste plus que la date et l'heure, parce que j'ai un peu du mal, parce que je veux absolument que quand on débranche la batterie et quand on la remet, il faut que ça se mette à l'heure tout seul. Voilà, donc là je vais voir au niveau de la date, etc. Mais sinon, ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc on a même changé le fond d'écran qui fonctionne bien. Donc toutes les applis ici, on a mis le petit bip, donc il pourra régler la puissance du bip. C'est pour être sûr qu'il a bien fait un clic. Ici, on a le menu, donc vous voyez, de tout ce qu'il y a en cours. Donc, vous voyez ici la clé USB et elle n'a rien dedans. Ça, c'est des fichiers qu'il y a dedans, mais en fait, on n'a pas accès, notamment, je regarde s'il y a de la musique. Système, non. Non. Donc, voilà, mais sinon, il y a le Wi-Fi qui est ici. Donc là, j'ai désactivé. Là, je le réactive et pour voir quels sont, eh ben, il va chercher les différents réseaux, tout simplement. Voilà, donc ça, je l'enlève. Et puis là, j'ai coupé le son. Mais sinon, dès qu'on appuie sur le volant, vous voyez, ça fonctionne.
Voilà. Bah écoutez, si vous aussi vous êtes intéressé par nos prestations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez Facebook, Basvel Auto Service, vous avez Instagram, vous avez également WhatsApp. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? YouTube. Enfin voilà, il y a plein de moyens pour nous joindre. Nous sommes basés dans le 77, limite 02 et 51, pas loin de Disney. À savoir que sur les prestations, on accepte les autoradios fournies par le client sans aucun problème. On fait en sorte que tout fonctionne comme à l'origine. Mais sur le matériel fourni par le client, malheureusement, on ne peut pas vous garantir le fonctionnement à 100%. Contrairement à ici, où on est sûr que ça fonctionne et qu'il n'y a aucun problème de compatibilité. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et là, on en profite pour enlever la clé et l'autoradio s'est éteint. Voilà.